honorés par cette confiance renouvelée et nous sommes aussi déterminés à atteindre nos objectifs et à réaliser les engagements que nous avons pris. Donc ce contrat programme trace la route pour notre compagnie nationale sur les 14 prochaines années de manière à faire de Royal Air Maroc une compagnie leader au niveau mondial, de passer d'une compagnie régionale avec un hub régional et traditionnel à une compagnie mondiale, internationale, avec un hub dynamique mondial, de manière à permettre le rayonnement de notre pays, et plutôt accélérer ce rayonnement et faire que ce rayonnement s'amplifie encore et encore, vu que c'est aussi notre rôle de le faire. Nous allons aussi investir pour accompagner la stratégie touristique de notre pays, donc investir sur plus de capacités, plus d'avions, à partir de plusieurs routes et plusieurs bassins émetteurs mondiaux vers les bassins récepteurs marocains. Et enfin, nous allons aussi beaucoup investir dans le désenclavement régional, dans des liaisons radiales pour les vols domestiques entre tous les aéroports nationaux, de manière à permettre à nos concitoyens d'aller d'un aéroport à un autre sans passer nécessairement par Casablanca et donc sans rallonger le voyage. Évidemment, ces stratégies nous permettent de permettre à nos concitoyens de se déplacer plus facilement, aux touristes de venir dans notre pays, aux Marocains du monde, à nos concitoyens du monde de venir dans les meilleures conditions dans notre pays. Et tout cela vient poursuivre des hautes orientations royales qui consistent à doter notre pays d'un outil efficace, d'un outil à même de répondre aux besoins de nos concitoyens et d'un outil de rayonnement pour notre pays et avec cela accompagner toutes les stratégies sectorielles de notre pays. Donc c'est un moment très fort pour nous, c'est un moment important, historique. Nous sommes encore une fois très honorés par cette confiance et déterminés à atteindre les objectifs pour notre pays, pour notre compagnie aérienne.